L'homme, suivi de son compagnon, marchait dans le désert, quand la chose fondit sur lui. De loin, elle lui était apparue toute petite, glissant sur le sable, pas plus grande que la paume d'un enfant. Une ombre, blonde et fuyante, semblable à un vol hésitant de caille, au petit jour, sur la mer bleue. La chose semblait ne pas se soucier des deux voyageurs. Mais soudain, elle vint droit sur eux, comme une flèche. Et alors, l'homme vit. Une réalité infiniment plus grande, sans forme et sans limite. Aussi loin qu'il put voir, la chose, à mesure qu'elle approchait, se développait avec une rapidité prodigieuse, envahissant tout l'espace. L'homme tomba la face contre terre, mit les mains sur son visage et attendit. Un grand silence se fit autour de lui. Un souffle ardent passa sur son front. Et puis brusquement, força la barrière de ses paupières closes et pénétra jusqu'à son âme. L'homme eut l'impression qu'il cessait d'être uniquement lui-même. Une irrésistible ivresse s'empara de lui, comme si toute la sève de toute vie, affluant d'un seul coup dans son cœur trop étroit, recréait puissamment les fibres affaiblies de son être. Or, tout au fond de son être, qu'elle avait envahi, la tempête de vie murmurait. Tu m'as appelé ? Me voici. Depuis toujours, sans le savoir, tu me désirais. Et moi, je t'attirais. Viens-tu ? Ô divine et puissante, quel est ton nom ? Parle. L'homme, au milieu de l'ouragan, tourna la tête, cherchant à voir son compagnon. Il avait donc trouvé, enfin. Un lourd manteau tomba de ses épaules et glissa derrière lui.
vague de triomphe libéra son âme. Or, voici au sein du tourbillon une lumière grandissait qui avait la douceur et la mobilité d'un regard. L'Orient naissait au cœur du monde. Dieu rayonnait au sommet de la matière dont les flots lui apportaient l'esprit. L'homme tomba à genoux dans le char de feu qui l'emportait et il dit ceci.
Thank you.
Je suis apparue dès l'origine du monde. Dès avant les siècles, je suis sortie des mains de Dieu. Ébauche destinée à s'embellir à travers les temps. Dieu m'a répandue dans le multiple initial, comme force de condensation et de concentration. C'est moi la face conjonctive des êtres, moi le parfum qui les fait accourir et les entraîne librement, passionnément, sur le chemin de leur unification. Par moi, tout se meut et se coordonne. Je suis le charme mêlé au monde pour le faire se grouper. L'idéal suspendu au-dessus de lui pour le faire monter. Je suis l'essentiel féminin. À l'origine, je n'étais qu'une vapeur ondoyante. Je me dissimulais sous des affinités à peine conscientes. Et pourtant, j'existais déjà. Des nappes de substances cosmiques qui portent dans leur pli naissant la promesse de mondes par milliers, dessinées par leurs remous, les premiers linéaments de ma figure.
Je crois que l'univers est une évolution. Je crois que l'évolution va vers l'esprit. Je crois que l'esprit dans l'homme s'achève du personnel. Je crois que le personnel suprême est le Christ universel.